Cela fait maintenant un mois que je suis arrivé en Namibie. Wallis Bay, où je me trouve actuellement, est mon dernier mouillage africain avant de traverser l'Atlantique Sud. Il n'y a rien de particulier et de vraiment attractif dans ce lieu, à côté du port industriel, mais on peut toujours y trouver de belles choses en faisant attention aux détails. Comme ces magnifiques flamants roses, vivant par centaines en aval de cet estuaire. Ou encore des couchers de soleil extraordinaires. Ça y est, c'est mon dernier jour à Wallis Bay. Demain, c'est le grand départ. Tout est prêt. J'ai rempli les cuves à eau. J'ai fait les courses hier. Un peu d'essence aussi pour la génératrice. Le gasoil. Et les papiers. Donc ça y est, je suis officiellement sorti du pays. Donc, c'était plutôt facile à faire les papiers. Donc, c'est assez rare. C'est souvent assez embêtant à faire les papiers, mais c'était assez rapide. Voilà, j'ai plus qu'à remonter l'annexe et je suis prêt à partir. On a des amis pélicans qui viennent nous dire bonjour. Bonjour petit pélican. C'est qui se demande là, c'est quoi ce machin? Il est énorme. Ça c'est un gros oiseau ça. Départ imminent. J'ai une petite boule au ventre quand même. Mais bon, j'essaye de rester un peu déstress. S'il m'arrive un problème ou quoi que ce soit avec le bateau, bah je ferai avec. Hein. S'il y a un problème avec le convertisseur ou qu'il y a un problème avec le pilote, machin. Parce que je me suis préparé au cas où, mentalement au cas où il y a un problème, comme ça, ça me surprendra pas trop. Allez, on remonte l'ancre et c'est parti pour 9, 8, 9, 10, 10 jours de mer jusqu'à Sainte-Hélène. Atlantique, me voici! Et ben voilà, c'est parti pour plusieurs jours en solitaire, c'est la première fois que je vais faire ça. Ça va être une chouette expérience que je vais faire là, un peu stressé mais... Mais ça va, je vais le prendre relax, tranquille. Sagarani, c'est un bon bateau. Elle est costaud. Et voilà, j'ai plein de choses pour m'occuper. Ça devrait être cool. Bon, jour 5 de navigation. Ça s'est enfin un peu calmé, là il y a 15-16 nœuds de vent, les vagues se sont un peu calmées, le courant aussi d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de courant là, dernier temps, ben, c'est le courant de Benguela. Ça fait du bien un peu là, aujourd'hui c'était calmos, les batteries ont bien chargé d'ailleurs, j'ai mis un peu la génératrice devant, j'ai pu prendre une douche aussi, me faire à manger, pour la première fois depuis que je suis parti de Wallis Bay, donc ça fait 5 jours, je ne me suis pas fait une seule fois manger, hein. J'ai juste mangé du pain avec des chips et des conneries comme ça. Voilà, ça fait du bien un peu de... Parce que je fais pas grand chose la journée, mais c'est vraiment fatigant. Les 3-4 premiers jours étaient plutôt difficiles. 30 nœuds de vent, des vagues de la houle de 4 mètres, avec des déferlantes qui m'ont bien saccagé le cockpit. Bon, pas saccagé, mais qui sont bien rentrées à l'intérieur du cockpit. C'était rock'n'roll, quoi. Du coup, le deuxième jour, j'ai le génois qui est tombé. Le génois est complètement tombé de l'été. Une manie qui est tout en haut... Qui retient le génois, je monte avec la drisse de génois, et cette manie s'est cassée, manie en inox,
Donc du coup, il n'y a plus rien qui retenait le génois. Donc le génois est juste tombé de l'été, tout simplement. Et il est tombé dans l'eau, malheureusement. Donc un matin, je me suis réveillé. Et, il n'y avait plus de génois. J'avançais à un nœud. Enfin, j'étais dans le lit, je regardais sur iPad. Je voyais la vitesse, un nœud. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et là, je vais sur le pont et le génois a complètement disparu. Je ne le vois plus du tout. Là, du coup, en allant sur le pont, je vois qu'il est complètement dans l'eau. Il est passé sous la coque. Et là, évidemment, avec 30 nœuds de vent, la houle de 4 mètres et le bateau qui monte et qui descend dans la vague, ça a fait que il m'a fallu 45 minutes pour le remonter sur le bateau. J'étais accroché, évidemment, mais ça me faisait peur. Je me dis, putain, je peux me faire emporter par le génois quand je suis en train de le remonter, parce qu'il y avait tellement d'eau à l'intérieur que, en fait, quand je tirais dessus, je tirais un peu d'eau avec. Et je me dis, attends, quand il y a la vague qui va arriver, le poids du génois avec l'eau dedans pourrait me faire tomber à l'eau. Donc ça m'a pris 45 minutes, donc j'étais bien accroché. Et puis j'attendais que les petites vagues m'aident un peu à lever le génois et le poser tranquillement sur le pont. C'était chaud, quoi. Du coup, j'ai de suite installé l'artimon avec le tourmentin. J'ai attendu que ça se calme, tout simplement. La nuit venue, le pilote a lâché, évidemment. Hein, on va pas mettre que le génois, on va rajouter d'autres petits trucs. Là, j'ai pété un câble. J'ai engueulé Poséidon, hein, je l'ai bien envoyé chier. Bon, du coup, de nuit, je me suis mis sur le pilote, essayer de voir ce que c'était. J'ai pu de suite trouver ce que c'était. Donc, le vérin est retenu par une plaque en aluminium contre une plaque en bois. Et la plaque en aluminium, qui est retenue avec 4 boulons, il y en avait 2 qui avaient cassé. Pareil, en inox, pété net. Donc, c'était la journée des trucs en inox. La manille, les boulons. J'ai pu réparer ça provisoirement pour 2 jours. Avec vis et boulons. Et du coup, le lendemain, 2 jours plus tard, ça a relâché. Mais là, bon, ça s'était calmé, c'était plus agréable et tout. Donc, j'ai vraiment correctement retiré le matelas, retiré tout le truc. Enfin, c'était pas évident parce que du coup, il y avait personne pour barrer. J'ai pu régler le bateau assez bien avec les voiles pour que ça puisse tenir au moins 5-6 minutes sans que je barre. Le temps que je faisais, que j'essayais de faire quelque chose. Ensuite, je revenais à la barre, je remettais le bateau sur le cap et hop, j'allais retravailler pendant 5-6 minutes. Et voilà, j'ai retiré tous les boulons, j'ai remis des boulons en inox costaud bien serré. Et là, voilà, ça fait 3 jours que c'est comme ça et ça a pas bougé. Voilà, ça devrait le faire. Je vais revérifier ça quand je serai arrivé à Sainte-Hélène correctement. Mais sinon voilà quoi. La moitié est dépassée. Et le vent est censé tomber. Donc je vais me retrouver d'ici 3-4 jours dans une pétole. Ouais, 3-4 nœuds. Donc je vais pas avancer vite. Et le vent va se relever. Bon, ça sera le moment de faire du nettoyage. Un peu de montage vidéo. Filmer quelques petits trucs sur la navigation aussi. Sur ce qui est agréable. Voilà, j'ai pas filmé grand chose sur les 4 derniers jours. Parce que voilà, j'étais vraiment pas bien du tout. Enfin, ça allait, mais je tolérais ce que j'attendais que ça passe, tout simplement. Je réglais le bateau pour qu'il y ait le moins de problèmes. Et bon, c'était pas évident. J'ai installé la génératrice ici, maintenant que c'est plus calme. Et voilà, je l'ai fait tourner un petit peu. Elle est plutôt protégée. Et je lui mets une petite bâche dessus pour la protéger des embruns. C'est la première fois depuis que je suis parti que je vais. Enfin, je suis allé sur le pont de quelques fois, mais c'était pas pour juste pour passer un bon moment. Là, c'est génial. Il y a un petit vent qui s'est relevé parce que là, du coup, j'étais tombé dans la pétole. Et là, juste au coucher du soleil, donc j'ai vite monté la grand voile et l'artimon. Et là, je suis à 4 nœuds 5 sur une mer royale. C'est génial. Putain, si ça pouvait être comme ça pendant toutes les nappes, ça serait le top. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Ah là, je viens de passer une nuit, c'est comme si j'étais au mouillage, quoi. C'est un truc de ouf. Alors autant des fois je peux détester la mer, mais vraiment je me demande qu'est-ce que je fais là. Et alors autant des fois je me dis eh, c'est bon, moi je peux continuer des dizaines de jours comme ça, ça me dérange pas. Là c'est le top. Là c'est agréable de naviguer là. Là c'est... Alors, cette nuit du coup j'ai... Alors, histoire rigolote. J'ai dans la nuit, donc je dormais super bien vraiment. Et voilà, du coup je me réveille parce que j'entends l'artimon et la grand voile qui tapent un peu. Bon, j'avançais pas vite, j'étais à un nœud 5 de nœuds. J'ai dit, oh, c'est bon, je m'en fiche, je vais les retirer vite fait dans la nuit. Donc je vais sur le pont, je retire l'artimon, je retire de la grand voile et là je regarde autour de moi. Donc il n'y avait plus un pet de vent. Hein. Vraiment c'était sur l'eau, c'était mer d'huile. Avec un ciel étoilé mais de malade vraiment. Et là il y avait des dauphins tout autour du bateau qui étaient en train de sauter à droite à gauche, qui jouaient.
Je me retourne, je regarde ça. Ah ouais, super. Et hop, je retourne me coucher direct, du genre rien à foutre quoi. Ah, faut pas me réveiller moi à 5h du matin, ça va pas ou quoi? Ça va, moi, c'était quoi? Ah, ce bleu, ça fait longtemps que j'avais pas vu un bleu aussi profond. Hein. Le bleu océanique. Ah, bah là, je vais retrouver de l'eau claire à Sainte-Hélène, comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça, c'était une superbe journée. Là, franchement, c'était le pied, quoi. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai nettoyé le bateau, j'ai fait la vaisselle, je me suis fait à manger, je me suis amusé un peu avec les voiles, j'ai filmé plein de choses, j'ai envoyé le drone, j'ai essayé de pêcher un peu. Ah, ça fait plaisir quand il y a des journées comme ça, c'est vraiment le top, quoi. Et puis, évidemment, avec un super coucher de soleil. Moi, je dis oui à des navigations comme ça. C'est le pied. Alors, autant des fois, je peux détester la mer, mais des fois, voilà, j'adore. Là, j'adore. Mais il y a 5-6 jours, j'adorais pas du tout. Hein. Je la maudissais, je me demandais ce que je faisais là. Quoi. Ah, c'est spécial, hein, l'océan. C'est le moment idéal pour se déguster un petit burger fait maison. Un bon gros steak, plein de fromage, du ketchup, de la mayo. Pas de voisin, je peux mettre la musique comme je veux. Là, c'est le pied. Bon, il manquerait deux nœuds de vent. Deux nœuds de vent juste pour pas que les voiles fassent un peu. Mais franchement, ça va. C'est pas désagréable. Oh, le pied, quoi. J'ai l'impression d'être au mouillage, quoi. C'est mieux. Bah alors?
Putain, t'as rien pêché, toi t'aurais pu pêcher un truc quand même. Hein. Ouais, toi non plus fais pas le malin, parce que t'as rien eu non plus. Ça y est, je commence à parler à Meller. Je crois que je suis commencé à être atteint de folie. Ça y est, après plusieurs jours passés en mer, je commence à me faire des amis imaginaires. Good night everyone. Putain, et personne ne me répond en plus quoi, y'a personne autour. Je vais dire bonne nuit aux baleines. Hein. Ok, alors voici dans quoi nous nous situons en ce moment. Vous voyez là, j'ai seulement 5 nœuds de vent, mais de travers. Et je pensais que ce serait un peu plus pétole. Vous voyez, c'est un peu plus pétole ici, là, le violet, c'est la zone de non-vent. Et je pensais que ce serait un peu plus pétole ici, mais ça va en fait, c'est pas mauvais. Et là, du coup... Hop, un petit peu de vent qui va se lever dans la nuit. Hop, ça c'est vers 3h du mat. 3h, et hop, après, ça revient, tic tac 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 tac. Et hop, ça c'est demain après-midi. Et là, Sainte-Hélène est juste là. Nous y sommes presque. Extinction des feux. Ça y est, le vent s'est relevé, c'est la dernière journée de navigation, j'ai encore 7 nuits, la nuit qui suit, et je devrais arriver demain en milieu de journée, début d'après-midi. Donc là j'ai, je dirais 15-16 nœuds de vent, là c'est au plus fort, hein, ça va baisser ce soir, il y a des vagues qui sont un peu relevées, mais ça va, c'est pas désagréable, c'est pas désordonné comme c'était les premiers jours de navigation. Voilà, je suis super excité à l'idée d'arriver là, ça va être trop cool. Donc c'est ici que je monte les vidéos sur mon ordi avec Sticouille entre les jambes. Et voilà. Bon là c'est plutôt calme donc je peux utiliser l'ordinateur, mais quand ça bouge un peu c'est pas très pratique parce que le moniteur a tendance à se balancer un peu. Je le cale avec mon genou. Mais là au moins c'est confort donc ça me rend pas malade d'être sur l'ordi, mais quand ça bouge c'est pas ouf quoi. Dernière journée, et qu'est-ce qu'on voit ? Sainte-Hélène ! Sainte-Hélène, me voilà ! Wouhou ! Qu'est-ce qu'un caillou comme ça fait en plein milieu de l'océan ? Je te demande, hein. Chez un marlin. Désolé papa, désolé maman, mais c'est moi le boss de la pêche. Ouais. Ben voilà, le congélateur était vide. On va remplir ça. Puis du coup, s'il y a des bateaux mouillés, je vais en offrir à tous les bateaux voisins. Ah, oh, c'est trop cool. C'est le petit cadeau d'arrivée de traversée. Merci Poséidon, merci Océan, merci petit marlin. Vous avez vu ce monstre? J'ai démarré le moteur. Il reste 15 000 à faire. Mais le truc c'est que le vent a baissé donc je suis entre 2 nœuds 5 et 3 nœuds, c'est pas agréable, et puis ça me fait arriver après 16h et le Harbour Master va fermer donc j'aimerais arriver juste un peu avant, comme ça je peux l'appeler, prévenir mon arrivée, comme ça demain à première heure je peux de suite aller faire les papiers d'entrée. Voilà, donc là ça me fait arriver, je suis à 6 nœuds, 7 nœuds, ça me fait arriver dans 2h, 2h et demie. Le marlin, toute la viande que j'ai, ça remplit le congélateur. Oh, c'est pas beau ça. Eh ben, je vais pas mourir de faim. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et commenter. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine. Je sais pas si je pourrais publier cette vidéo maintenant. Mais on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand. Allez, à plus.
Thank you.